pacifique de la plage. Concernant vos affectations, ce sont les suivantes. On a Goodboy Emils en Adam 15 en Explo 2016, équipé d'un Taser 10. Ensuite, on a Taylor et Ramirez en Adam 68 en Crown Victoria. Ensuite, on a Peterson en SL 12 en Explorer 2020. Et ensuite, on a Brendan et Korbatchev en Adam 24 en Explo 2016. Sur le secteur, on fait attention à tout ce qui est vol sur la plage, parce que bah, y a des vols sur la plage, ça existe. On fait attention aussi aux maisons sur proche des chemins piétons. En parlant de chemins piétons, on n'y va pas avec les véhicules sauf urgence, mais vous patrouillez pas en véhicule sur les chemins piétons. Vous pouvez patrouiller sur la piste cyclable qui passe à côté de la plage, mais pas sur la voie piétonne où il y a les magasins. Il est 15h, il y a beaucoup de monde. On fait aussi attention à tout ce qui est agression, pickpocket, tout ça. Ça, vous êtes habitué. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Okay. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez prendre votre patrouille. C'est un PNG, c'est un mec. Dispatcheuse unité disponible. Un piéton à proximité du 92-04-04-04. Hein. On aurait un individu qui se serait déshabillé, aurait eu un comportement suspect selon de multiples appels de PR sans plus d'informations. Au niveau du coup de la promenade piétonne proximité du 8204, l'individu serait type afro-américain au rouge, sans plus de description vestimentaire et physique. On va y aller. Promenade piétonne proximité du 8204 en priorité 2, oui, incident 173, unité demandée. Alam, 20. 20. 20, code 6, 8204. Ah, 20, code 6, 8204. 14, Adam 15. Ouais, j'ai eu les collègues qui m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient peut-être quelqu'un. 15, okay, okay. Sur l'incident 173 actuellement, en code 6, on a l'incident. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? On peut savoir ce que vous faites dans le secteur, monsieur? Monsieur? Vous êtes beau! Non, restez là, vous! Monsieur, s'il vous plaît. Restez là! Monsieur, allez, mettez-vous contre le mur, là, tranquillement, restez ici, là. Non. Monsieur, vous faites quoi dans le secteur, là? Je fais un petit rond. Monsieur, mettez-vous contre le mur là. Monsieur, mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Vous êtes monsieur comment? Ouais, reculez monsieur là. Vous êtes monsieur comment? Monsieur. Mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Monsieur. Reculez là. Attention. Mettez-vous contre le mur, monsieur. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Reculez. Non. Monsieur, mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. On veut vous aider, là. Allez, écoutez-nous, sinon ça va mal se passer, là, monsieur. Allez. Non. Vous faites quoi, là, monsieur? Vous voulez que je prenne le contact, sergent? Non. Ouais, si vous voulez, hein. Ouais. Ouais. Il a l'air réticent. Hein. Ouais. Monsieur? Oui. Non. Ça va? Eh. Fait chaud, hein? Chaud. Eh oui. Enlevez la brosse à dents, là, de votre bouche, qu'on vous entende mieux, avec votre belle voix. Je m'approche d'un coup. Oh. Allez, super. Est-ce que vous allez bien? Eh. Qu'est-ce que vous faisiez? Petits ronds. Des petits ronds. Et rien d'autre, d'autre. J'adore votre rire, il est très communicatif. Enfin bon, bref. Moi, qui est, monsieur? Monsieur, revenez. A24, sur écoute. A24, donc soyez avisé que l'individu serait atteint de schizophrénie et classé comme potentiellement dangereux.
Il aurait déjà séjourné en hôpital psychiatrique. Non, monsieur. SDF. Donc procédez avec prudence face à celui-ci. Comment reçu? Monsieur, restez contre le mur là, monsieur. On va discuter un peu là. Vous êtes monsieur comment là? Allez, asseyez-vous tranquillement. C'est quoi votre prénom? Votre prénom, votre nom de famille là, monsieur. Y aller. Oui. Oui. Mets tes gants, William. Ouais. Non. Tournez-vous là, monsieur. Regardez, il y a des beaux insectes. Regardez les petits trous. Vous voyez les petits trous? Comptez les trous. Un. On y va? Deux. Quatre. On a marre. Je pense que c'est là. Allez. Hop là, on les rejoint. Allez. Hop là. Hein? Un petit trou. Allez. Ah oui. Bah non, plutôt toi. Hein? Eh oui. Oui, vas-y. Mais tranquille. Oh, vas-y. On pince les petites mains. Alors, qu'est-ce qu'on a fait devant des gens? Monsieur, qu'est-ce qu'on a fait devant des gens? Rien fait. Vous avez fait quelque chose? Non, rien fait. Faut être honnête avec nous. Oui. Allez, de toute façon, on est 12 là, PV. Et nous, on est 4. Enfin... Tu sais compter jusqu'à combien? Moi, jusqu'à 12. Entre station pour un centre de suspect. La main. 20. Retour disponible. Avant retour disponibilité. A24, La Puerta Calais Avenue, au 8254 Tissy avec Unit Envolve, stand-by. Il va m'appeler normalement. Mais 8254. Ouais, j'étais en train de changer. Avant, répondez en code 3 sur le 8254 La Puerta Cross Calais Avenue pour un TC Unit Envolve avec A24. Annonce-nous en code 3. Adam 20. Avant. Adam 20 code 3. Avant, réponse code 3. Adam 20. 20. Avant on since. Avant code 6. Bonjour monsieur. Oh, il m'a fait peur. Bonjour. Bon. Je suppose que c'est vous qui êtes rentré dans la voiture. Oui. Bon. Bah, il s'est arrêté. Reste avec Orma. Ouais. Moi? Viens avec moi, toi. Il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé justement, c'est ce que j'aimerais savoir. Depuis la plage, donc du coup, je me suis dit, j'ai pris à gauche au dernier moment. Il a pris à gauche. Au passage, donc j'ai dit à mon collègue, j'ai dit à Brendan, je vais me serrer à droite, il va me doubler, je vais le contrôler. Je me serre à droite, je m'arrête avec mon clignotant et monsieur, il me rentre dedans. Ah ouais. Alors qu'il avait toute la place du monde de passer, et non, monsieur décide de me rentrer dedans. Monsieur, vous roulez trop vite à ce moment-là? Pas du tout. Ah non, roulez pas. Non, je roulais pas vite. Ça, monsieur, je roulais pas vite. Non, mais ma belle Pontiac est abîmée. Oui, par votre faute. Voilà, par ma faute. Oui. Par ma putain de faute. Ouais, excusez-moi, mais si vous regardez la distance entre le flanc de mon FPU et la double ligne jaune, vous avez l'espace d'un smermorque. Mais si monsieur, vous me dites que vous n'avez pas été capable de m'esquiver, là, va falloir vraiment que vous fassiez un test de réflexe. Vous parlez d'un ID? Oui, moi oui. Moi j'ai envie de vous parler, monsieur. Vous voulez la présenter à mes collègues ou... Ok, d'accord. Je peux la prendre dans mon véhicule? Mon collègue va vous accompagner, oui. D'accord. Oui. Vas-y, William. Allez. Monsieur. Vas-y, je suis. Pas blessé, toi, non? J'ai pas d'arme dans le véhicule, ni sur moi. Le véhicule en panne au niveau de Prosperity Street 98. Donnez-les-moi. Oui, on va sur le compteur, je voulais. Il nous a suivi, pas volontairement, mais dès qu'on prenait à gauche. Tac, hop, ouais. Merci.
Je récupère ça, hop. Michael Bay, qu'est-ce qu'on va trouver? Back up. D'argent quoi. Ouais, animal, vous avez vérifié la plaque? On se baladera dans son laisse propriétaire présent, le père se plaindrait quand même de grognement insistant. C'est à quelle jambe vous avez mal? Je réitère qu'elle nous venait entre les 80 et 80-20 en parallèle imagination courte. 905 haut, priorité de constat. Vous avez déjà rédigé un constat? Bien sûr. Bon, vous allez bientôt. Et vous avez rédigé un constat avec, avec mes collègues qui sont présents ici. 14 à 68. 68. Voilà. Allez, suivez-moi. De 68, sommes à proximité du chien errant. Ensemble avec le monsieur, là. Faites ça sur le capot de l'explo, là. 68 à proximité, correction, le chien est en présence de son propriétaire. L'ID, c'est William qui l'a. Tu rends l'ID au collègue. Vas-y, pick up. Assez reçu de 14h68. On peut le faire sur le téléphone. Attends, je te donne la carte d'identité. 68 répond des codes. Ouais. Ouais. Personnellement, assez reçu de 14h68. Ah, ça marche. Bon, ben on fait sur le papier alors. S'il faut le remplir sur vous. 14h712. 14h712, code 4, retour disponible. Il est là. 14 de celle 12 quand t'avais reprise sur l'incident 183. Il est abîmé comment l'explo? Bah regarde. Ouais. Ah putain le coffre. Il s'ouvre pas? Il a du mal à se fermer. Bah ce que vous ferez station, vous prendrez un vent du coup. Alors, hop. Il n'y a plus trop grand chose à faire, si. Ouais, mais je préfère qu'ils finissent parce que notre voiture bloque la route et si on part, ça les mettrait en danger. Il y a l'arme derrière. Avant. 20 Avant, pour vous informer de la situation, 9254, on est actuellement sur place avec l'unité victime dans l'accident. C'est actuellement code 4 en train d'effectuer un constat. Aucun blessé. C'est bon, du coup on a rempli, je lui ai 14 à 68. Stand by 68. 20 au 82-54. C'est bon. Code oui, 4, constat en cours et aucun blessé sur la position. Est-ce que vous me confirmez la position? Position 82-54. 82-54, c'est confirmé. Ouais. Code 4 sur la position. Ce qu'on va faire du coup, vous avez tout, c'est bon. 14 à 68. On va juste aller voir les dégâts sur la voiture 68. Du monsieur et si jamais c'est pas si grave que ça, vous pourrez repartir. Imagine on va aller voir ça, monsieur. Code 6, actuellement avec la personne ayant son chien. Bon, du coup, monsieur, ma Pontiac de 1998, d'accord. A 68, donc vous me confirmez un signe imagination courte en présence de l'individu et de l'animal. Et est-ce que vous me confirmez le code 4 des dégâts. 14 à 68, je confirme code 4 sur l'intervention. Attends, comment reçu parler A 68, copie. Des photos, des dégâts. Ouais, mais dites-lui qu'on est en train de vérifier s'il peut repartir, hein, s'il est dans l'état de repartir. Ils sont juste en train de vérifier s'il est dans l'état de repartir. Ok. Voilà. Bon. On vous a rendu vos papiers, monsieur? Non, il a vérifié. Votre collègue a vérifié mes papiers. Ok, vous voulez pas. Il me les a pas rendus. Je vous l'ai rendu avec le duplicata. Oui, mais le constat, oui, mais ses papiers. Mon ID. Votre ID, oui.
Elle était derrière c'était, la c'était le monsieur là. Non, 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 j'avais donné à mon collègue. Non, il me l'a donné à moi. La Pontiac, elle a quasiment rien, donc vous, c'est vrai, c'est un peu enfoncé vers le pare-choc arrière. Vérifiez entre les feuilles, peut-être qu'il a glissé entre les feuilles. Je pense qu'il est ouais, je pense que vous pouvez quand même rester avec ça pour. Tiens, regardez, il est là. Ouais, pas trop de problème. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir et le monsieur aussi. Voilà. Ok. Ça sera bon. Allez, bon, vous pouvez y aller, monsieur. Hein. Bah, je suis libre de rester là. Bah, vous... bah non, là, il y a votre voiture qui bloque la route, donc non. Ah oui, c'est vrai. Bon, au revoir. Ouais. Ouais. Au revoir, monsieur. Vous êtes désolé du dérangement, j'espère. Hein? Bon, pas nous, du coup, mais... Avant. Non, pas vous. Beau véhicule, hein. Non. Merci, monsieur. Mais bon, le mien reste le plus beau. Avant, reprise. A24.